Alors on peut penser qu'il n'a pas de place. Alors d'une part parce que historiquement, c'est vrai que les centristes ne sont pas très présents dans le pays de Bray. Ce sont plutôt des élus socialistes qui ont pris ces cantons ou ces communes. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les centristes étaient plus présents, par exemple, dans le département de l'Eure, avec des gens comme Hervé Morin, etc. Donc on peut penser qu'à la fois, ils n'ont pas de vrais grands leaders dans cette région-là. Et donc de ce point de vue-là, ça va sans doute être difficile de faire leur place, notamment face à droite à Michel Lejeune qui occupe un terrain assez large finalement autour, on pourrait dire, du bon sens rural, et de ce point de vue là c'est assez difficile sans doute pour des candidats de droite de s'imposer face à lui.